Здравствуйте, дорогие ученики! Bonjour, chers élèves! Добро пожаловать! Bienvenue на урок русского языка au cours de russe для всех, pour tous! Как дела? Хорошо? Comment ça va? Bien? Отлично? Excellent? Отлично! C'est la deuxième vidéo de la série de l'entraînement à l'écriture et à la lecture des lettres russes en attaché et en imprimé. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelques nouvelles consonnes. Nous allons de nouveau les associer avec les voyelles qui permettent de garder les consonnes dures et les voyelles qui ramollissent les consonnes. Ensuite, nous allons nous entraîner à lire des syllabes dures et molles. Et ensuite, nous allons découvrir de nouveaux mots, de nouvelles phrases et un nouveau test. C'est parti. Voici les consonnes du cours précédent. T, D, N, M, V. Et maintenant, on passe aux nouvelles consonnes. Que voici? Z, K, L, P, R, S. Et maintenant, passons aux syllabes dures. Je vous propose de lire ces syllabes et ensuite de les copier dans vos cahiers. On lit les syllabes en imprimé et aussi les syllabes en attaché, ligne par ligne. Première ligne. Za, zo, zu, ze, zi. Maintenant en attaché. Za, zo, zu, ze, zi. On passe à la deuxième ligne. L'imprimé d'abord. La, lo, lu, le, li. Essayez de durcir le bout de votre langue au maximum pour obtenir le L, le son L, le plus dur possible. Et on passe à l'écriture en attaché. La, lo, lu, le, li. Troisième ligne. Pa, po, pu, pe, pi. En attaché. Pa, po, pu, pe, pi. Quatrième ligne. Ra, ro, ru, re, ri. En attaché. Ra, ro, ru, re, ri. Cinquième ligne. Sa, so, su, se, si. En attaché. Sa, so, su, se, si. On passe aux syllabes molles. Première ligne. Zia, zio, ziu, zie, zi. En attaché. Zia, zio, ziu, zie, zi. Deuxième ligne. Lia, lo, Lou, lé, li. En attaché. Lia, lo, lou, lé, li. Troisième ligne. Pia, pio, pu, pie, pi. En attaché. Pia, pio, pu, pie, pi. Quatrième ligne. Ria, Rio, ru, ré, ri. En attaché. Ria, ro, ru, ré, ri. Essayez de rouler la langue, d'accord? Cinquième ligne. Sia, sio, siu, si, si. En attaché. Sia, sio, su, si, si. La lettre K ne supporte pas l'association avec certaines voyelles dures comme E ou U. Et donc voilà quelques syllabes mélangées, dures et molles, avec la consonne K. En russe, la consonne K, K est très dure, hein, contrairement au français. Donc il faut bien prononcer K. Et on va lire K, K. Ку,
Maintenant, Prémou, qui est, qui. On passe au syllabe en attaché. Ka, ko, ou, qui est, qui. Voilà, on a bien travaillé les syllabes. Il est temps de passer aux mots. Le premier mot de la liste est, c'est, ça peut être aussi ce sont. Deuxième mot, dom, une maison, komnata, une chambre, une pièce, sleva, à gauche, téléviseur, une télé, sprava, à droite, stol, une table, i, c'est une conjonction de coordination, et stul, une chaise, nastalie, sur la table, sur une table. On prononce la préposition et le mot d'un seul coup comme un seul mot. Nastalia. Lampa. Une lampe. On passe aux phrases. Eta dom. C'est une maison. On répète deux fois encore. Eta dom. Eta dom. Dom sprava. La maison est à droite. On répète. Dom sprava. Дом справа. Troisième phrase. Это комната. C'est une chambre. C'est une pièce. On répète. Это комната. Это комната. Quatrième phrase. Комната слева. La chambre est à gauche. La phrase numéro 5. Слева телевизор. À gauche, il y a une télévision. La phrase suivante. Справа стол и стул. À droite, il y a une table et une chaise. На столе лампа. Sur la table, il y a une lampe. Comme je vous avais déjà dit dans la vidéo précédente, le verbe être est absent en russe au présent. C'est la même chose pour l'expression il y a. Il n'y a pas besoin de la mettre en russe, donc на столе лампа. Sur la table, il y a une lampe. Il suffit de dire sur la table et une lampe. Installer lampa. Voilà, vous pouvez réviser encore ces phrases avant de passer au test. Et maintenant, c'est l'heure du test. Je vous laisse quelques instants avant de vous donner la réponse. C'est une table. Это стол. C'est une chaise. Это стул. La table et la chaise sont à droite. Стол и стул справа. À gauche, il y a une table et une chaise. Слева. Стол. Sur la table, il y a une lampe. На столе лампа. C'est une maison. Это дом. C'est une chambre. Это комната. La chambre est à droite. Комната справа. Voilà, vous avez bien travaillé. Révisez encore, entraînez-vous, perfectionnez-vous et vous allez progresser. Спасибо за внимание. Merci pour votre attention. До свидания. Au revoir. До новых встреч. À bientôt.